Où sont-ils? Qu'attendez-vous pour me les montrer? Ils ne risquent pas de s'envoler, rassurez-vous. Je le sais, mais il me tarde de les voir. C'est par là, si vous voulez bien me suivre. Il doit être énorme. Tout à fait. Jugez-en par vous-même. Oh. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous croyez qu'il pourra vous être utile? Bien sûr. Si ça ne vous suffit pas, je peux vous en procurer deux autres. Je voudrais l'essayer le plus vite possible. Je vous conseille de rester discret sur cette acquisition. Cela va de soi, et je n'ai pas l'intention d'en informer mes supérieurs en Espagne. Il n'y a qu'une souris. Bien, je vous laisse, je vais tout de suite organiser son transport. À bientôt, monsieur. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous que le commandant veut essayer? Attention! Oh, par exemple! Tu es sûr de ce que tu avances? J'en suis sûr et certain. Je l'ai vu de mes yeux. Je me suis douté qu'il se passait quelque chose quand j'ai vu le commandant monter sur un bateau de la compagnie des Indes du Sud. Oh! Alors c'est ça. Oui, le canon est sur le chariot. Il est impressionnant. Ah ça oui, et en plus sur le feu, il y a un écusson avec un magnifique dragon. Un dragon? Oui, pourquoi? Je me souviens d'avoir vu ce genre d'écusson en Espagne. Il était sur le canon d'une forteresse. Les boulets qu'on y mettait étaient énormes. Son tir était si puissant qu'il pouvait détruire une maison entièrement. Une maison entière? Mais c'est incroyable! Et c'est redoutable! C'est très embêtant que le commandant dispose d'une arme pareille. D'autant plus que depuis quelque temps, les gens qui sont contre l'armée se rassemblent. Si le commandant l'utilise contre eux, ce sera un carnage. Qu'est-ce que tu vas faire? Diego, tu es insupportable! Pourquoi? Ce n'est ni gentil ni galant d'avoir disparu quand je commençais mes courses. Tiens, rachète-toi un peu. Ouh, c'est lourd. Ouh. Chaque fois que tu fais des courses avec moi, tu te plains. C'est pénible à la fin, je t'assure. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste encore à acheter? Tu n'as pas encore fini? Je dois simplement aller voir le fermier qui vend le meilleur lait de la région. Oui, ce n'est pas mal du tout comme endroit. Je vous l'avais dit, hein? Ça correspond parfaitement à ce que le commandant Raymond a demandé. C'est vrai, la vue est bien dégagée et le moulin fera une excellente cible. Oui, mais voilà, il y a un petit problème. Lequel? Comment? Vous voulez qu'on aille s'installer ailleurs? Cet endroit va être bientôt particulièrement dangereux. C'est ici que l'armée va faire ses prochaines grandes manœuvres. Ne soyez pas idiots! Je ne vois pas pourquoi j'accepterais de céder mes terres à l'armée. J'ai travaillé trop dur pour les cultiver. Mais calmez-vous, écoutez-moi! Vous avez tout à y gagner. L'armée est d'accord pour vous payer grassement pour que vous partiez. Gardez votre argent, je garde mes terres! Espèce de vieil imbécile! Je vous avais prévenu, hein. Tiens! Je vous ai donné l'argent, alors je considère que cette affaire est réglée. Allez, on s'en va. Le lieutenant force un peu trop les choses. Sans doute de l'argent de... Bonjour! Des grandes manœuvres ici? Vous ne trouvez pas que ce qu'ils exigent est tout à fait inacceptable? De toute façon, s'ils pensent qu'ils peuvent me déloger, ils se trompent. Tu crois qu'ils veulent essayer leur nouveau canon ici? Oui, peut-être. Ça risque de provoquer des dégâts épouvantables, non? De quoi est-ce que vous parlez? Nous, de rien de très intéressant. Non et non.
Je ne partirai pas d'ici et je défendrai mes terres, quoi qu'il arrive. Eh bien, vous avez bien raison, et on y perdrait trop si vous partiez. Et ça m'ennuierait beaucoup. Vos vaches donnent le meilleur lait de toute la région. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un vrai pionnier. Réfléchissez, l'armée n'aime pas beaucoup qu'on s'oppose à elle. Elle est très forte. C'est la première fois que je vois un canon aussi gros. Maintenant, l'armée va être encore plus puissante. Oui, ça ne fait aucun doute. Est-ce que tout va bien? Oui, monsieur. Le canon est très précieux. Ne relâchez pas la surveillance. Excusez-moi, commandant. Vous permettez que je vous pose une question? Je vous en prie. D'après ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas l'Espagne qui nous envoie ce canon. Capitaine, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et dans l'immédiat, contentez-vous de faire votre devoir. À vos ordres. Venez, lieutenant. Oui, commandant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Cette ferme est l'endroit qu'il nous faut. Mais le problème, c'est que le fermier refuse obstinément de s'en aller. Tant mieux, il va nous donner l'occasion de prouver la toute-puissance de l'armée. Débarrassez-vous de lui s'il s'obstine. Et que le capitaine ne participe pas aux grandes manœuvres cette fois. Il pose trop de questions. Un canon? Oui, je n'ai pas de preuves, c'est un bruit qui court. Mais ce serait épouvantable si jamais il décidait de s'en servir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Ce canon est une arme redoutable. Il paraît qu'il peut faire sauter une maison en une seule fois. Ah, c'est fantastique. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte du danger. Vous devriez réfléchir. Les soldats seront impitoyables si vous leur résistez. Sauvez votre vie à défaut de sauver votre terre. Je vous en prie, partez vous installer ailleurs. Diego, j'aime ces terres et cette ferme toute ma vie. Je n'en partirai jamais, quoi qu'il fasse pour essayer de me déloger. Vous n'arriverez pas à le convaincre. Quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'en faire démordre. Il est plus entêté que tout un troupeau de mules. C'est son plus grand défaut et sa plus grande qualité. Ah oui, je vois. Allez, mes amis, remettons-nous au travail. On va montrer aux soldats qui on est. Aïe. Alors, Diego? C'est très clair. On va devoir détruire ce maudit canon. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention! Un chariot fonce à toute vitesse sur nous! Arrêtez-eux! Zorro! Ne tentez rien! Si vous faites un geste, je mettrai le feu à ceci! Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Pour votre nouveau canon! Nous n'avons pas besoin d'une telle arme dans notre pays. Alors on est venu le détruire. C'est ridicule! On a besoin de ce canon pour mieux protéger la population de ceux qui voudraient la menacer! C'est pas vrai! Êtes-vous sûr que l'armée l'utilisera pour le bien de la population, et non pas contre elle? Mais oui, c'est évident! Pour vous peut-être, mais pas pour tout le monde! Oh! Zorro Junior! Allez-y, lieutenant, tirez sur Zorro! Allez-y! Tirez-leur tous dessus! Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, lieutenant? Je sais seulement que je l'ai manqué. Vous n'êtes pas un excellent archer. Entraînez-vous! Êtes-vous sûr que l'armée utilisera ce canon pour le bien de la population? Non, ne fais pas le douillet, ce n'est qu'une éraflure. Oh, je suis désolée. À cause de moi, tu n'as pas pu détruire le canon. Ce n'est pas grave. Une autre occasion se présentera. J'attendrai le jour où ils le sortiront pour l'essayer. Rien ne pourra nous empêcher de le détruire. Dès qu'on saura quand ils le sortiront, on leur tendra une embuscade dans les bois. Comment cela? Zorro s'est montré? Oui, et apparemment, il est au courant pour le canon. Dans ce cas, nous allons un peu changer nos plans. Et commencer les manœuvres dès demain. Hein? Dès qu'il verra sa puissance de tir, il battra en retraite. Allez tout de suite dire à Malvado de se préparer, voulez-vous? À vos ordres, commandant. Allez, du courage! Ils vont sûrement nous attaquer d'un moment à l'autre. Oui, vous avez raison, c'est pas le moment de flancher. Hein. Il faut qu'on soit prêt quand les soldats arriveront. Allez, les gars, on se remet au travail, hein? Allez, 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 travail, les gars! Allez,
déjà sorti. Ça alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussitôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils ont commencé leur manœuvre. Une tranchée ridicule. Mais arrêtez, regardez, il y a des gens. Tant pis pour eux, ils n'ont pas voulu partir, et pourtant on les avait prévenus. C'est incroyable comme les gens créent leur propre malheur. Malvado, le tir à blanc est terminé. Mettez de vrais boulets. Très bien, chargez-le avec de vrais boulets. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez bien qu'il y a des gens tout près de la cible. On leur a demandé de dégager le terrain. Et on les a même grassement payés pour le faire. Mais c'est affreux. De plus, c'est un cas d'urgence. Oh non. D'après le rapport de nos espions, Zorro s'est réfugié lui-même dans cette ferme. Zorro? Rassurez-vous, lieutenant. Un simple coup de pied dans la fourmilière. Ils ont cessé de tirer. C'est peut-être fini. Vous voyez? Je vous avais bien dit que l'armée serait impressionnée par notre tranchée. Eh ben, vous aviez raison. Et puis, on leur a rien fait. Je vois pas pourquoi ils voudraient nous tirer dessus. Ouais, 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 ouais. Feu. Oh, je ne pourrais jamais m'y faire. Oh non, ils tirent avec de vraies munitions cette fois. Plus vite, Viento, plus vite! Oh, ce canon est prodigieux, lieutenant! Il dépasse mes espérances. Oh, regardez, voilà quelqu'un! Oh! Zorro, le voilà qui vient se rendre! Oh! Qui est ce bonhomme? Le propriétaire de la ferme. L'autre jour, vous avez oublié de reprendre ce qui est à vous! Tenez! Espèce de vieille bourrique! Vous pouvez nous menacer, on n'abandonnera jamais notre ferme! J'espère que c'est très clair! Attendez une minute! Est-ce que vous cachez Zorro? Je n'ai rien à voir avec Zorro! Il est évident que ce fermier est un menteur et un rebelle! Oublions Zorro! Tirez sur cette ferme et détruisez-la! Allez-y, Malvado, tirez! Et détruisez tout! À vos ordres! Oh non, c'est horrible! C'est monstrueux! Et c'est insupportable! C'est terrible! Ils ont mis le feu! Attention! De l'eau vite! Allez, faites la chaîne! Apportez de l'eau! Vite, vite, vite! Passe-moi un saut! Voilà, voilà! Au revoir! C'est intolérable! Je ne peux pas vous laisser faire! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Blesser les gens, ce n'est pas le rôle de l'armée. Lieutenant, reprenez vos esprits. Le rôle et le devoir de l'armée, c'est de protéger la population. Si elle s'écarte de son chemin et devient l'ennemi des gens, alors je me rangerai à leur côté. Je vais prendre ce canon. Vous, aidez-moi! Si vous refusez de m'obéir, je n'hésiterai pas à vous tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lieutenant Placido. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Où va-t-il avec le canon? J'ai tiré un trait sur l'armée! Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Tirez! Capitaine, que faites-vous ici? Je viens d'apprendre de source sûre que c'est la Compagnie des Indes du Sud qui vous a procuré ce canon. C'est vrai? Et alors? Vous ne pouvez pas utiliser une telle arme, du moins pas sans avoir l'autorisation de notre haut commandement en Espagne. Je suis votre supérieur, vous osez discuter ma façon d'agir? Non, je vous donne simplement un petit conseil. Mais regardez, ce sont eux qui ont le canon maintenant.
Oui, c'est ce que je vois, mais s'ils s'en servent, la question se posera de manière tout à fait différente. Regardez là-bas, on dirait que c'est un officier. Votre rôle est terminé. Allez rejoindre la troupe. Bien. Bonjour, lieutenant Placido. Je ne suis plus lieutenant, mademoiselle. Je viens juste de quitter l'armée. Hein? Et je vous donne ce canon. Pour le lieutenant, hip hip hip, hurra! On ne s'attendait vraiment pas à avoir un ami parmi les soldats. Diego, où étais-tu passé? Désolé, j'avais très peur de ce canon. Je n'osais pas m'approcher. Quelle honte! Maintenant que vous avez ce canon, vous n'avez plus rien à craindre. Rassurez-vous, je sais comment on s'en sert et à partir de maintenant, je suis à vos côtés. Oui, le lieutenant Placido est un des rares officiers qui s'est toujours montré gentil avec nous. Je le connais bien. Je vous remercie de votre amabilité, mais... On ne peut vraiment pas s'en servir pour lutter contre l'armée, c'est impossible. Pourquoi? Expliquez-moi. On a seulement envie de protéger nos terres contre ceux qui veulent nous les prendre. Je ne veux pas que ça prenne des proportions épouvantables. Vous voulez dire que vous êtes prêt à mourir sans vous défendre? On se défend et on se bat à notre façon et avec nos moyens. Mais... Nous n'avons pas besoin de ce canon. Ça donnerait à l'armée une bonne raison de répliquer et ça la mettrait en position de force par rapport à nous. J'ai compris. Ça nous fait plaisir d'avoir un canon pareil, mais si on s'en sert, on sera aussi méchant que l'armée. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Pardon. On est désolé, lieutenant. On sait parfaitement que vous cherchiez avant tout à nous aider. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, j'aurais dû réfléchir un peu. Placido va passer en cour martiale et sera condamné pour son acte de rébellion. Mais ça m'étonnerait que Raymond attende qu'on l'ait jugé pour l'éliminer. C'est hors de question. Je serai absolument sans pitié. S'il vous plaît, ne soyez pas aussi sévère. À son jeune âge, on fait des erreurs. Non et non! Vous avez vu ce qu'il a fait, c'est un traître et un rebelle. Et son jeune âge ne saurait l'excuser. Peut-être, mais j'ai également vu ce que vous avez fait, vous. Comment? Vous avez utilisé un canon que la Compagnie des Indes du Sud vous a procuré. Dieu sait comment. Et vous avez terrorisé les gens sans aucune autorisation, simplement pour satisfaire votre envie d'essayer. Comptez-vous faire un rapport au gouverneur général? Non. Je suis persuadé que tout le monde aurait eu envie de l'essayer. C'était trop tentant. Que voulez-vous que je fasse? Je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui règle cette affaire. Zorro Junior! Et si vous voulez vous évader, lieutenant, c'est le moment. Et pourquoi? Je ne suis plus rien, ni un civil, ni un soldat. Je n'ai plus d'idéal. Je ne suis rien du tout. La vie n'a plus aucun sens pour moi. Même si je sortais d'ici, ça n'arrangerait rien. Je n'ai plus envie de lutter. Vous vous découragez trop facilement. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez tout recommencer à zéro. Non, je ne crois plus à rien. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous pourriez venir en aide à beaucoup de gens. Oui, peut-être. Je vais d'abord affronter mes juges. Je ne pourrai pas parler de justice si moi-même j'y ai échappé. Il y a quelqu'un qui vient. Vous ne devriez pas dormir ici, vous. Bon, parfait, c'est ouvert. Alors suivez-moi, lieutenant. Oh. J'ai une petite mission pour vous. Une mission? Je veux que vous apportiez cette lettre au gouverneur général. Mais je ne comprends pas. Dans cette lettre, je demande au gouverneur général de vous muter. Comme ça, vous pourrez lui montrer comment une armée digne de ce nom doit se comporter avec la population d'un pays. Mais je dois être jugé pour ce que j'ai fait. Cessez donc de bavarder. Obéissez aux ordres. C'est votre devoir de soldat. Merci, capitaine. Restez juste et bon, et tout ira bien. Merci. Capitaine ?
capitaine? Ah, cela, j'étais sûr de les trouver. Malheur! Zorro est là! Ça fait plaisir de voir que vous avez retrouvé votre liberté. Et si on faisait un petit bout de chemin ensemble? Notre façon d'agir diffère, mais notre idéal est le même. À notre idéal. À notre idéal.